Bienvenue aux spectateurs du live qui nous rejoignent maintenant donc sur ce 5 à 7. Donc, je rappelle le thème du 5 à 7, c'est donc la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui nous relançons l'événement CQRT donc, qui a été lancé il y a une dizaine d'années sur le département réseau et télécom à Montbéliard. Donc on a déjà commencé, bien sûr, sans les spectateurs du live. C'est pour ça que je dis qu'ils nous rejoignent. Donc, on a un premier conférencier, donc Rémi Chipot, qui nous a présenté son métier de pentester, c'est-à-dire le métier où on va tester les failles sur les systèmes informatiques pour des entreprises, des banques, etc., des organismes. Et il nous a présenté la particularité de son métier actuel, qui est la recherche de malware. Voilà. Donc, là, on va commencer sur la suite donc, de la présentation. Je vais laisser juste après un petit temps à David Marquezic, donc directeur de l'IUT de Nord-Franche-Comté, pour nous faire un petit mot d'accueil. Et ensuite, nous enchaînerons donc, sur la présentation des étudiants du but 3 cyber qui vont nous présenter donc, l'historique de l'événement CQRT et qui vont nous présenter le nouveau projet avec donc, toute la méthode qui a été appliquée et les conditions qui ont été les leurs pour le développement de ce projet-là. Et puis ensuite, on aura une intervention donc, de Fabien Hasbrouck qui va nous présenter la cybersécurité dans les data centers, puisque Fabien Hasbrouck est un des cofondateurs de Trinaps. Voilà. Donc, David, je te laisse quelques mots pour accueillir nos spectateurs du live. Merci. Donc, bonjour à tous. Bonsoir. Alors, bienvenue à l'IUT Nord-Franche-Comté, Université de Franche-Comté. Dans la salle, nous avons des étudiants et des personnels de l'IUT. Je salue les trois départements du numérique présents dans l'offre de formation donc de l'IUT, à savoir le département informatique, MMI, métier du multimédia et de l'Internet, et enfin Réseau et Télécom, qui nous accueille ce soir. Le principe qui a été donné aux 10 départements, 10 bachelors, c'est d'aller sur un format 5 à 7. Donc 5 à 7, pour certains, il y a une référence. Pour d'autres, pas forcément. Donc nous, notre référence est celle des 5 à 7 québécois qui sont assez courants. Et donc de 17h à 19h, on passe un moment plutôt détendu, convivial, en mode after work, c'est-à-dire si on est au Québec après le travail. Et donc chaque bachelor choisit son format. Et le format choisi ce soir, il est plutôt original. Et effectivement, comme nous l'a dit Christophe, il est associé au fait de réactiver un challenge qui était bien installé au département réseau télécom et qui renaît ce soir. Et donc, on est sur ce format conférence et ensuite, il y aura un challenge, donc jusqu'à 23h30, je crois, un challenge autour de la capture, qu'il faut capturer un drapeau. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout dans le sujet. J'aurai l'occasion de découvrir cela juste après. Donc, merci à vous. On va vite donner la parole donc, aux étudiants qui, justement, vont nous faire un historique et puis on va les applaudir pour les encourager et venir jusqu'à nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va vous parler de CQRT, notamment CQRT Reload, qui est la nouvelle version. Donc on va commencer par vous présenter un petit historique. Oups là. Bravo. Les aléas du direct. C'est son PC. Donc on va commencer par vous présenter les origines de CQRT. Donc CQRT, c'est quelque chose qui a été créé en 2012 par Monsieur Paul Rascanière, qui est un ancien étudiant d'ici. Maintenant, il faut savoir que c'est une sommité dans la cybersécurité. Donc il a écrit des livres, il travaille pour une entreprise de CERT au Luxembourg, je crois. C'est vrai? Il a changé? D'accord. Et donc en fait, maintenant, c'est quelqu'un, on va le dire, qui pèse un peu dans cet univers. Et c'est aussi un ancien étudiant d'ici. D'ailleurs, il y a une petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'il avait présenté une initiation, en fait, un mini CTF, en fait, à Monsieur Spies, apparemment,
qui lui aurait répondu que pour ça, il fallait au moins 5 ou 6 machines, des serveurs, et enfin des routeurs et des switches. Et ce à quoi Paul aurait répondu, ça tombe bien, j'ai tout ça dans ma chambre étudiante. Donc c'est pour vous dire le niveau de la personne, quoi. Et donc c'est quelque chose qui a été pensé. Et en 2013, ça a été le premier justement CQRT qui a eu lieu. Faut savoir que CQRT, on vous a beaucoup parlé du capturer le drapeau. Mais faut savoir que c'est aussi plus que ça. Il y a aussi des conférences. Pendant un temps, il y avait des escape games. C'est quelque chose qui durait une journée complète. Et il y avait des invités, notamment un groupe qui s'appelait HackGyver. Et malheureusement, ceux en ligne n'ont pas pu le voir, mais vous qui êtes ici, dont monsieur Rémi Chipot faisait partie, qui a été invité donc là la première année. Et je ne sais pas pourquoi il est resté, il est revenu, et en fait chaque année ils ont recommencé l'événement justement CQRT. Au bout d'un moment, Paul a continué sa carrière pour écrire ses livres et continuer tout ça. Et par contre, monsieur Chipot est resté pour continuer chaque année à faire cet événement. On a d'ailleurs une petite vidéo qu'on va vous présenter de justement l'événement CQRT de 2017. Vidéo très amusante, mais qui montre bien le contexte. Est-ce qu'on a du son? Je ne sais pas si on a du son. Non, pas de son. Il n'y a pas de son? C'est pas grave, c'est plus authentique. C'est plus authentique, oui. On va dire ça comme ça. Voilà, vous avez pu voir justement une vidéo. On a pu voir deux choses assez importantes dedans. La première, c'est Monsieur Michelot avec des cheveux, ce qui est assez unique. Mais aussi que CQRT, ce n'était pas que un CTF, c'était aussi des conférences. On a vu, vous connaissez les CTF classiques type RootMe qui a été préparé, mais aussi jusqu'à du lockpicking avec des cadenas. Donc c'était quelque chose d'assez énorme. Pour la suite, je vais laisser la place à Léo, à ma place. Parfait, donc je vais poursuivre sur ce que a dit. Ok. F5. Ouais, excusez-moi. Le stress de la présentation, désolé. Donc, comme vous a expliqué Alexandre, CQRT, ça fait un petit moment que ça existe et ça a fait pas mal de choses. Donc, il faut savoir que ça a existé avant le Covid-19. Et ça a continué pendant le Covid-19. Malheureusement, ça a subi une disparition post-Covid-19, puisque en fait, CQRT a toujours été fondée sur un principe de mentorat, c'est-à-dire que c'était historiquement les troisièmes années qui allaient en fait, prendre sous leurs ailes une première année et les guider.
Ah oui, c'était, excusez-moi, c'est la réforme. Donc avant, c'était 2 ans. Donc c'était un DUT, donc c'était les deuxièmes années. Maintenant, c'est les troisièmes années, c'est pour ça. Qui donc, vont prendre sous leur aile une première année, l'aider à mener des projets, etc. Et donc, une fois que la première année a évolué, eh bien, c'est le cycle qui continue. Sauf que le Covid est arrivé et a chamboulé pas mal de plans. Donc on est là pour ça, c'est-à-dire relancer CQRT. Donc CQRT avant le Covid et même pendant le Covid, qu'est-ce que c'était ? C'était donc des tutos. Alors les tutos, vous pouvez penser ça, vous trouvez très... vous pouvez trouver ça un peu futile, mais un tuto pour quelqu'un qui ne sait pas du tout utiliser une machine ou un ordinateur, ça peut être vital pour lui s'il a besoin d'effectuer une opération. Et autrement aussi, ça sert à de la vulgarisation. Alors j'y reviendrai après, puisque les articles, comme vous pouvez le voir à droite de la présentation, sont aussi vulgarisés. Les articles sont thématiques, donc là ça porte sur l'intelligence artificielle par exemple. Un article, c'est à double bonus, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez le vulgariser, vous allez permettre à quelqu'un de comprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'aurait jamais entendu parler. Donc déjà là, il y a de l'enseignement. Mais le deuxième bonus, c'est surtout que vous allez pouvoir vérifier que vous avez compris, voire même apprendre plus de choses en expliquant que vous n'avez pas forcément compris de cette manière-là. Donc en fait, tout le monde est gagnant à faire de la vulgarisation, et CQRT, c'est avant tout de la vulgarisation. Donc, comme l'a dit Alexandre juste avant, c'était aussi donc, des CTF, des escape games aussi. Alors ça, j'ai jamais eu la chance d'en voir. Hein. Mais c'était aussi donc, des CTF, comme vous allez pouvoir voir après. Le cas de cette édition-là, nous avons les troisièmes années en cyber, nous avons eu un projet de créer donc, ce CTF-là. Vous verrez, il y a plusieurs catégories, des récompenses à la clé, ça je laisserai mes collègues en parler. Voilà, je vais laisser la place à Mathéo pour la suite. Concernant l'événement de ce soir, du coup le CTF. Donc comme l'a dit Léo, on a profité en fait de la réforme du BUT pour intégrer la création de ce CTF au sein des SAE et du coup permettre d'intégrer du temps dans l'emploi du temps pour créer en fait pour créer tout ce projet. À savoir qu'à l'époque en fait c'était plus de l'autonomie, c'était en dehors des heures de cours. Donc aujourd'hui maintenant ça permet de pouvoir l'intégrer et d'avoir plus de temps et d'être encadré. Et du coup, ben, l'événement de ce soir, on va vous proposer un CTF sur 5 challenges différents. Donc, Crack Me, le fait de craquer des mots de passe ou des choses comme ça. De la crypto, donc des fichiers cryptés ou des hashes ou des choses comme ça. De l'exploit, de la forensic et du web, donc que ce soit côté client ou côté serveur. Du coup, l'organisation de ce projet, donc, comme je l'ai dit, on avait des heures dédiées sur l'emploi du temps. Après, principalement, c'était de l'autonomie. Donc, les professeurs étaient là, mais à distance. On va dire que 80% du temps, on a travaillé de chez nous, de notre côté, à la maison. On a créé un groupe de 2-3 personnes par thème de challenge. Et on a fait, du coup, ben, par conséquent, de la découverte. Donc, fait des CTF avant d'en créer un et développer nos challenges. Et une équipe que vous verrez plus tard dans la soirée qui a créé et qui gère tout le serveur. Qui a été repris en fait à zéro pour permettre d'héberger tous les challenges de ce CTF. Pour la petite info, ça tourne sur CTFD. Voilà. Et comme vous l'avez vu, les conférences avec des experts cyber et des anciens étudiants en cyber également. Donc le projet CTF a été pris donc, par nous, les BUT3. Excusez-moi. Donc, toute la classe des BUT3, on a décidé de créer ce CTF avec l'aide de M. Van Strassel, Futex, et M. Michelot. Et on s'est dit, il fallait quand même qu'on vous donne de la compétition. Donc déjà, pour tous les premiers de chaque niveau, donc de but 1 ou but 2, une montre est à gagner, une montre connectée. Et pour vous, les but 1, les 5 premiers sont d'office pris en cyber. La place est offerte, c'est facile, mais il faut être les 5 premiers. Il va y avoir différents challenges, beaucoup. Sachez qu'on accepte les paiements par chèque, carte espèce. Préférence pour l'espèce, on dit. Donc voilà. Hein, donc bien sûr, plus vous achetez, plus vous avez de chances d'être pris. Hein, n'hésitez pas. Non, voilà. Le principe, c'est que vous allez avoir beaucoup de challenges. C'est de la compétition. N'hésitez pas à vous entraider. C'est aussi le principe. Il y aura plein de BUT3. Ils ont tous travaillé sur des thèmes différents. Donc faut savoir sur lequel a travaillé sur lequel pour lui demander des questions, parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis, on vous souhaite tous un bon courage et une bonne chance. Alors, je tiendrais juste à rajouter un tout petit point par rapport à ce qu'Hugo a dit. Il a soulevé un point très important, c'est que les CTF, c'est de la collaboration avant tout. C'est-à-dire que la connaissance, vous l'avez vous, vous avez une partie de la connaissance, mais vous n'avez pas tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous apprenez. Par contre, quand on s'allie et qu'on s'unit, on peut regrouper plusieurs compétences individuelles à chacun et au final, on va dire avoir un groupement de compétences permettant de résoudre un problème beaucoup plus massif que ce qu'on était capable de faire au départ. Donc surtout, n'hésitez pas à l'entraide, c'est vraiment la clé du CTF. Merci Léo. Est-ce que
Est-ce que vous avez des questions sur ça? Eh ben, on a hâte que vous commenciez alors. Donc on va tout de suite laisser la place à Fabien Hasbrouck, cofondateur de Trinaps, qui va nous présenter la cybersécurité au niveau des data centers. Je lui laisse la place le temps qu'il enfile son badge. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Le temps que je sorte mon... C'est tout bon? Ok. J'ai mis un minuteur à 15 minutes pour laisser la place aux questions après. Ma présentation fait à peu près une heure, donc je vais être très rapide. Il y a beaucoup de sujets que vous devez déjà connaître parce que vous êtes quand même des professionnels de l'informatique. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Bien sûr, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et puis sinon, on pourra faire un petit temps d'échange après pour toutes vos questions. Alors moi, je précise d'entrée, moi je ne suis pas technique. Donc le but de cette présentation, ce n'est pas de vous montrer les dernières façons de faire pour hacker ou pour faire des jeux comme vous allez faire là. Mais c'est plutôt pour vous donner une vision d'ensemble qui est plutôt une vision stratégique, organisationnelle, de la gestion d'un data center et de son rôle dans la cybersécurité. Donc on va voir qu'est-ce qu'un data center, qu'est-ce qu'apportent les data centers dans la cybersécurité. Le côté physique, en fait, c'est le data center, c'est vraiment le côté physique de la cybersécurité. Et puis on va voir aussi tout au long de la présentation le lien entre le data center, la protection physique et la norme ISO 27001. Donc ceux qui connaissent la norme ISO 27001, est-ce que vous pouvez lever la main? La norme ISO 27001, c'est la norme de référence en sécurité des systèmes d'information. Donc en tant que professionnel, je vous invite à la lire. C'est très long, c'est rébarbatif, mais c'est très instructif. Mais je vais vous faire un petit résumé. Un data center, donc le contexte déjà, vous savez que les responsabilités en informatique sont de plus en plus lourdes à porter pour un DSI, donc un directeur des systèmes d'information, un responsable informatique, mais pas que. C'est également de plus en plus difficile à gérer pour les services généraux, donc ceux qui s'occupent des bâtiments, parce qu'il faut sécuriser et garantir la sécurité des données qui sont stockées dans l'entreprise, dans l'université, dans l'hôpital ou dans toute structure. Et bien sûr, c'est le rôle aussi des dirigeants de s'approprier ce sujet de cybersécurité parce qu'il est fondamental, il est stratégique, il touche à l'humain. Donc, ce n'est pas un boulot de technicien
d'ingénieur, en tout cas de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. C'est le boulot de tout le monde. Et donc, sécuriser l'environnement du système d'information, ça passe par quatre éléments fondamentaux que je déroulerai aussi dans la présentation. Disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité des données. C'est vraiment les quatre fondamentaux. Et ça, c'est le rôle notamment des data centers. Donc là, j'ai mis une petite photo de notre data center. Donc le premier cube. Qu'est-ce que c'est un data center? Donc c'est un centre de stockage et de traitement. On ne fait pas que du stockage, hein. Il y a aussi des logiciels qui tournent, plein de choses. Un site qui est protégé avec du contrôle d'accès et d'autres choses. On contrôle l'environnement tout le temps, 24 heures sur 24, et on alimente en fluide, donc électricité, climatisation et réseau. Il n'y a pas de définition du data center. Pour moi, un data center, c'est au moins une salle informatique qui a les différents éléments que je vais vous présenter là. C'est un outil qui sert à protéger des menaces, donc autant des menaces qui sont non intentionnelles que des menaces intentionnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais vous transmettre la présentation si vous voulez. Pour moi, il y a quatre grands types de data centers, entre les très gros, les plus petits qui sont les edge data centers. Il y en a à peu près 350 en France et 5000 dans le monde, dont 37% aux USA. Donc le marché est vraiment trusté par les États-Unis et en France, c'est trusté par la région parisienne. Donc avoir un data center en région, c'est assez rare, il y en a assez peu. Pourquoi les data centers sont au cœur de la cybersécurité? Tout simplement parce qu'il y a six points clés dans la cybersécurité qu'il faut faire attention. Donc le côté humain, la gestion des identités et des droits d'accès, la surveillance, la réponse aux incidents, la conformité réglementaire et la protection des données. Ça, c'est vraiment les six pôles principaux que moi, je résume en cybersécurité. Si on regarde du point de vue du prisme ISO 27001, en fait, le but de l'ISO 27001, c'est de vérifier la conformité d'un système d'information à répondre aux exigences de sécurité. Donc, protéger les informations de perte, de vol, d'altération, d'intrusion et de sinistre. Donc, il y a intrusion, le côté intentionnel, sinistre, côté non intentionnel. Les piliers de la norme, elle se base, en fait, quand on la lit, elle est très complexe, il y a beaucoup de mesures, il y en a 104 de mesures qu'il faut vérifier. Mais elle se base sur des principes qui sont assez simples, c'est déjà quelles infos j'ai dans mon entreprise ou dans ma structure, quel processus j'ai pour les traiter ces infos, et quels sont les actifs supports, donc les matériels, les logiciels qui vont aider à transférer ces données. Donc une fois que j'ai identifié ces informations clés, critiques, je vais déterminer leur criticité au travers de DICT, donc c'est ce qu'on a vu, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. En fait, je vais me poser la question, cette info-là, est-ce qu'elle est cruciale? Est-ce qu'il faut qu'elle soit disponible? Est-ce qu'il faut qu'elle ne puisse pas être modifiée? Est-ce qu'il faut la tracer ou pas? Est-ce qu'elle doit être confidentielle ou pas? Je me pose la question pour toutes les infos, pour tous les processus et donc pour tous les actifs qui supportent ces processus. Et donc, en fait, c'est une sorte d'analyse des risques sur ces informations et ces matériels. Le but du métier de data center, c'est de minimiser ces risques-là en collaboration avec le client. Premier point, agir sur l'humain, il faut sensibiliser, et donc c'est ce qu'on est en train de faire là, donc prendre conscience des risques, les évaluer. Donc nous, on fait pas mal de sensibilisation dans le data center, et donc ça répond à plusieurs points qui sont décrits dans la norme. Deuxième point, c'est gérer les identités, les accès. Donc sur la partie physique, dans le data center, on va avoir des contrôles d'accès, par exemple badge plus biométrie, etc. Le côté logique, dans le data center, c'est le client qui va le gérer. C'est nous, on lui protège l'accès physique jusqu'à sa baie. Après, lui, il a son code, il ouvre sa baie. Et ce qu'il y a dedans, tous les matériels, les accès aux applicatifs, c'est lui qui gère. Nous, on n'est pas responsable de cette partie-là. Ensuite, on va faire une surveillance continue de tout l'environnement qui est, encore une fois, autant logique que physique. Donc, le monitoring, c'est un peu notre métier en data center. Donc, on va mesurer, détecter avec des sondes, des compteurs, des seuils, des alarmes ensuite, alerter avec des alarmes,
sonores, visuelles, etc., des procédures. On va faire des diagnostics avec caméra, enlever de doute, c'est-à-dire qu'on va sur place et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le data center. Et on va tracer tout ça dans des journaux de log et faire de la documentation pour avoir une traçabilité. On mesure énormément de choses, des températures, des consommations énergétiques, de fuites, des intrusions, des démarrages, des arrêts, etc. Le quatrième point, c'est la réponse aux incidents. Donc pour ça, il y a une seule clé pour répondre aux incidents, c'est se préparer. Et il faut préparer le prévisible, mais préparer l'imprévisible. Vous allez me dire, c'est impossible de préparer ce qui n'est pas prévisible. Bah si, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas pensé? Qu'est-ce qui pourrait arriver qu'on n'a pas pensé? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour si on arrive dans une situation qu'on n'avait pas pensé? Donc mettre en place des procédures pour gérer ça, donc ce qu'on appelle la gestion de crise. Et une solution technique pour protéger, pour préparer, c'est ce qu'on appelle la redondance, c'est-à-dire qu'on va doubler tous les équipements pour être sûr que s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre peut prendre le relais. Cinquième point, la conformité réglementaire. Donc là, il y a plein de normes, diverses et variées, hébergeurs de données de santé, NIS 2, ISO 27001. Donc la question qu'il faut se poser, c'est mon marché, donc mes clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et choisir la norme qui correspond à son marché. Et un petit point clé, il faut vérifier. Parce que dans le monde du data center, beaucoup de personnes se disent, par exemple, je suis tiers 4. Donc il y a des hiérarchies dans les data centers en termes de sécurité. Donc tiers 1, 2, 3, 4. Il y en a qui disent, je suis tiers 4, mais en fait, ils sont peut-être conformes, selon eux, au tiers 4, mais ils n'ont pas passé la certification qui coûte plus d'une centaine de milliers d'euros. Donc tout le monde ne le fait pas. Donc il faut vérifier quand quelqu'un vous dit « je suis certifié ISO 27001 ou tiers 4 ou autre chose », eh ben, il faut demander « ok, donnez-moi le papier qui le justifie ». Sixième point, la protection des données. Encore une fois, partie logique et physique. Sur la partie logique, vous connaissez hein, tout ce qui est firewall, antivirus, anti-spam, anti-attaque DDoS. C'est fait par le client ou en partenariat avec des infogérants, donc des sociétés informatiques. Et côté partie physique, eh ben là, on va le gérer du point de vue de DICT, encore une fois. Et je le rappelle, ce n'est pas technique, c'est vraiment stratégique. C'est-à-dire que c'est le business, le métier qui va déterminer les niveaux de criticité. Ce n'est pas à la partie informatique de dire cette donnée, elle est cruciale ou pas. Non, c'est le métier qui le détermine. Et ensuite, les informaticiens, les ingénieurs, les techniciens, eux, ils vont appliquer ou faire appliquer la protection de ces données selon les critères qui ont été définis par le business. Il faut penser à tout le parcours de la donnée. Donc, quand on protège, quand on analyse le risque, il ne faut pas l'analyser que du point de vue du stockage. Il y a aussi le captage de données, il y a aussi le transport, les flux, il y a plein de choses, la visualisation. Donc, il faut penser vraiment à tout le processus, tout le parcours de la donnée et les moyens de faire ce parcours. Pour protéger les données physiquement, donc on va analyser tous les risques sur les points clés qui sont écrits ici, sécurité des accès, réseau électrique, thermique, bâti et incendie. Alors pour protéger le bâti, eh ben on va minimiser le nombre d'accès et on va toujours penser, pas en 3D, mais ce qu'on appelle en 4D, parce qu'il peut y avoir une intrusion par les portes, bien sûr, mais il peut y avoir une intrusion par le sous-sol, par le toit, pardon, donc un peu partout. Donc, il faut vraiment penser le bâtiment intégralement. Nous, par exemple, on a rajouté des couches entre le plafond et le toit, un bac en acier qui permet de protéger, par exemple, s'il y a une intrusion, une chute de tuiles ou ce genre de choses. On réfléchit aussi à la résistance mécanique, donc la solidité du bâtiment. Une baie informatique, c'est entre 1 et 1 tonne 5. Donc, il faut que le bâtiment il soit prêt à accepter ce tonnage. Et bien sûr, tout ce qui est coupe-feu. On essaie aussi de se cacher, parce que si on dit coucou, on est là, c'est un risque aussi. Peut-être que ça peut créer des envies ou une volonté d'aller visiter le site. Je vous ai mis le lien avec les mesures et l'attendu en termes d'ISO 27001 sur le côté. Protéger du feu, donc on va détecter la fumée. Donc là, en fait, il y a plusieurs technologies pour protéger du feu. Soit on détecte une flamme, soit on détecte une fumée. Quand on détecte une fumée, en fait, on va être un petit peu en amont, donc on va aller plus vite
et on va s'arranger pour que le feu ne puisse même pas se déclarer. Donc on baisse le niveau d'oxygène en balançant un gaz, et comme ça, en fait, on n'a même pas de flamme, et on peut éteindre le plus vite possible sans que ça soit perturbant pour les équipements. Parce que si, par exemple, on balançait un brouillard d'eau, comme on a dans les centres commerciaux ou certains data centers, le problème, c'est que l'eau électricité, ça fait pas bon ménage, alors que quand on balance du gaz, il y a moins de risques. Ensuite, on va analyser les risques sur trois piliers principaux, la sécurité thermique, le froid, la sécurité électrique et la sécurité réseau. Et il faut que ça tourne 24 heures sur 24. Un des exemples pour la sécurité thermique, c'est qu'on va avoir un groupe froid qui va alimenter en eau froide des colonnes de climatisation qui vont ventiler l'intérieur du data center, enfin du couloir chaud. Donc on a plusieurs colonnes de climatisation. Si on a une qui tombe en panne, l'autre prend le relais. Si on a un groupe froid qui tombe en panne, l'autre prend le relais. Si les deux tombent en panne, on a des ballons d'eau froide à disposition. Si on a un qui est vide, on en a un deuxième. Donc c'est vraiment redondance absolue, ceinture, bretelles, parachute. Deuxième pilier, la sécurité électrique. Donc on est sur une boucle EDF dans notre data center. Donc l'avantage, c'est que si ça coupe d'un côté, ça passe par un autre côté. Mais on a quand même mis plusieurs sécurités, ce qu'on appelle une alimentation sans interruption, ou alors couramment appelée onduleur, donc des batteries qui vont prendre la charge pendant la coupure. Leur but, c'est de tenir 5 minutes. Et puis on a un groupe électrogène à côté qui va démarrer en 12 secondes, 15 secondes, pour prendre le relais énergétique. On fait des contrôles réguliers, on démarre le groupe tous les mois. On le met en pleine charge deux fois par an. C'est-à-dire que là, je peux vous dire qu'on serre les fesses parce qu'on coupe EDF nous-mêmes. Et puis on regarde, est-ce que le groupe électrogène, il est capable de prendre la charge et d'alimenter les serveurs. Dernier pilier, la sécurité des réseaux. Donc là, vous avez déjà entendu parler des coups de pelleteuse, sûrement dans la fibre optique. Il y a un chantier, une fibre optique est arrachée. Comment on fait alors que tout est coupé et que ça va mettre du temps à réparer? C'est simple, en fait, on va avoir une double adduction, c'est-à-dire deux entrées de fibre optique à des endroits opposés du bâtiment qui nous permettent de passer par l'un ou l'autre des endroits au cas où il y a une coupure. Je vais me dépêcher. Ça tombe bien, c'est la conclusion. Alors, pour finir, donc, ça a été très rapide. Mais le message que je veux faire passer, c'est que le métier de cybersécurité, ce n'est pas que coder, ce n'est pas que configurer du firewall, c'est aussi gérer des aspects physiques, concrets, terrain, et analyser faire une analyse des risques qu'on peut avoir par rapport à des données qui sont étudiées selon DICT. Pourquoi c'est important de faire confiance à la norme ISO 27001 pour un data center? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est la norme la plus connue en termes de sécurité des systèmes d'information. Ça veut dire qu'on a une infrastructure qui est hautement sécurisée et que c'est fait dans les règles de l'art. Ça nous oblige, en tant que certifié ISO 27001, à subir des audits réguliers. Donc régulièrement, tous les ans, on a un auditeur qui vient et qui va regarder chaque point et vérifier est-ce qu'on est en conformité ou pas. Il faut lui donner les preuves de cette conformité. Et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'on est tous acteurs. Donc, une entreprise, si demain vous êtes dans des entreprises qui externalisent les données, externaliser la donnée, ça ne veut pas dire faire confiance à 100% à la structure, à la société informatique vers qui vous allez externaliser. Externaliser la donnée, ça veut quand même dire qu'il faut garder un contrôle, une maîtrise de ces données et qu'il y a une co-responsabilité. Donc, vous avez entendu parler sûrement du data center OVH qui a brûlé à Strasbourg il y a quelques temps, un an ou deux ans. Et donc, il y a des clients qui se sont plaints en disant « Oui, c'est pas normal, tout a brûlé, c'est de votre faute. » Eh bien, pas forcément. Si OVH avait bien dit aux clients « Attention, vos données ne sont pas redondées ou sont redondées à deux endroits qui sont côte à côte, ce qui ne se fait pas », le client aurait dû prendre la mesure des choses et se dire, OK, comment je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Est-ce que je vais dans un autre data center, etc. Et la sécurisation des données, c'est un partage de responsabilités. Autant la responsabilité informatique que les dirigeants, les sous-traitants et même tous les employés. Le risque majeur en cybersécurité, c'est l'être humain.
Et donc, si par exemple, vous mettez des sécurités très complexes, très coûteuses, mais que vous ne formez pas jusqu'à la dernière personne de l'entreprise, eh ben, il y aura des couacs, il y aura des problèmes. Et donc, il faut sensibiliser tout le monde. Il suffit d'un clic sur un mail pour que votre système soit mis à mal. Je vous remercie. Comme je savais que j'avais très peu de temps et que je vous ai balancé plein d'informations, donc je vous ferai passer la présentation. Mais surtout, j'aimerais bien vous inviter à venir visiter le data center. Donc on va organiser ça avec l'IUT pour que vous puissiez voir en vrai comment ça se passe et qu'on puisse un peu rentrer un peu plus dans les détails du data center. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions idiotes, hein. N'hésitez pas. Les 50 RT que vous comptez laisser du coup voir le data center, ça pose pas un risque justement de sécurité? On expose le data center effectivement. À chaque visite qu'on fait, on expose le data center. Après, dans l'analyse des risques, en fait, on va analyser la criticité, la fréquence, et on va se dire est-ce que le risque il est très élevé, peu élevé? Et je pense que faire rentrer quelqu'un pour voir les systèmes qu'on a mis en place, tant qu'on ne montre pas comment ils sont gérés, eh ben, y a peu de risques. Donc oui, effectivement, le mieux, ça serait de fermer et que ce soit vraiment une barrière. Mais en fait, mon point de vue à moi, c'est de dire je préfère ouvrir le data center et propager la bonne parole, sensibiliser sur les risques, comment on peut faire, plutôt que rester complètement cloisonné et que les infos soient des infos prises sur Internet qui ne sont pas forcément vraies, etc. Mais oui, il y a un risque. Alors, pour éviter ce risque-là aussi, bien sûr, on a des caméras et on sait qui est venu, qui est sorti, qui est rentré, avec des listes, avec, on s'organise aussi dans ce sens-là. Ça a répondu à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Alors, effectivement, il y a un risque à recruter un étudiant. Donc, on est suivi en continu par les services de renseignement généraux. Alors, je ne sais plus l'acronyme parce que ça change tout le temps, qui nous alerte régulièrement sur vous, les étudiants, et qui nous donne des préconisations, notamment sur tout ce qui est espionnage industriel. Donc, il faut être vigilant aussi sur ces aspects-là. Ouais. Alors, je prends un tout petit coup la parole. Pascal Châtelain, RSSI de l'université. L'acronyme que vous cherchez, c'est DGSI. Et j'ai une question sur l'assurance. Est-ce que vous êtes assuré et combien ça vous coûte si c'est le cas? Alors, c'est une info qui est confidentielle, l'assurance. C'est assez compliqué parce que, en fait, les assureurs cyber redoutent d'assurer deux choses, les data centers et les opérateurs télécoms. Donc, c'est assez compliqué pour nous pour trouver des assureurs. Donc, on est en recherche perpétuelle, on va dire. Et par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos clients d'être assurés. On leur demande une assurance déjà responsabilité civile par rapport aux actions qu'ils peuvent faire dans le data center, parce qu'on est un data center de colocation. C'est-à-dire que plusieurs entreprises peuvent travailler dans le même espace, donc la responsabilité civile. Et on les conseille sur assurance cybersécurité. Après, on ne les force pas. Ils ne sont pas obligés d'en avoir parce que c'est eux qui gèrent leur propre protection. Christine Bolou-Caravelli, je suis professeure ici, j'enseigne l'expression de communication et notamment le CV, la lettre de motivation. Et j'aimerais savoir pour mes étudiants, est-ce que vous faites des enquêtes de moralité sur des futurs collaborateurs ou même des stagiaires? Et si, qu'est-ce que vous regardez dans un CV qui peut être déterminant ou déclencheur d'envie d'aller plus loin avec un jeune? Alors, c'est une vaste question. Donc, je vais déjà faire un regard rapide sur le CV pour voir est-ce qu'il correspond à des critères objectifs que j'ai définis par avance. Donc souvent, formation, est-ce qu'elle correspond? Expérience, est-ce qu'elle correspond? Et puis après, il y a tous les à côté. Moi, je mise beaucoup sur les à côté parce que vous êtes tous de la même école,
slash promotion. Et donc, en fait, on va potentiellement recevoir beaucoup de CV qui sont identiques. Et donc, qu'est-ce qui va se démarquer? C'est ce que vous mettez dans votre CV qui ne ressemble pas aux autres et la teneur de votre lettre de motivation. Moi, je dis toujours, donc, je préfère pas de lettre de motivation qu'un copier-coller sur Internet. Mais par contre, une bonne lettre de motivation qui explique votre parcours, qui explique le choix de l'entreprise. Alors, s'il vous plaît, analysez l'entreprise avant de répondre. Parce que j'ai déjà eu des CV, des lettres de motivation qui disent « en tant que reconnu mondialement pour votre data center ». Non, ce n'est pas vrai, on a un marché local, nous. Donc voilà, déjà, ça tape à côté. Donc faites attention à ce que vous dites, travaillez vraiment bien vos candidatures. Il vaut mieux candidater sur peu d'entreprises, mais mettre le paquet sur comment vous allez vous présenter et raconter vraiment qui vous êtes, votre parcours. L'autre chose aussi, c'est multiplier les points d'entrée dans l'entreprise. Moi, c'est le conseil que j'ai, c'est que ça marque beaucoup plus quand il y a quelqu'un qui a candidaté par la voie normale, mais qui a essayé de trouver un moyen de rentrer en contact avec l'entreprise, etc. Alors, pas de harcèlement, hein, là c'est contre-productif. Ensuite, sur le CV, donc je vais regarder beaucoup, qu'est-ce que vous faites en dehors de vos études? Pourquoi? Parce que ça va montrer, un, de la curiosité, de la motivation, du leadership, un moyen d'avoir des capacités de gestion, d'organisation, de travail collaboratif. Bref, c'est très riche. La vie associative est très riche et ça se voit dans un CV, quelqu'un qui a une vie associative riche. Alors, l'associatif, ce n'est pas forcément dans votre domaine, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais ça montre des aptitudes que vous allez avoir à travailler en collectivité, en collaboration. Et les petits plus aussi, pour moi, c'est les certifications, le fait que vous ayez fait des cours. Par exemple, moi, un CV où quelqu'un a passé tout le MOOC, donc la classe en ligne, je cherche les mots en français, la classe en ligne de l'ANSSI, donc qui est le régulateur, comme vous connaissez, au niveau de la sécurité des systèmes d'information français. Bah, quelqu'un qui a passé tout le MOOC et qui l'a eu, ça montre une motivation supérieure par rapport à quelqu'un qui a juste attendu chez lui que l'opportunité du travail arrive. Quelqu'un qui s'est renseigné sur la norme ISO, c'est autre chose. Donc déjà, pour moi, pour obtenir un rendez-vous, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un CV où ces aptitudes-là que vous avez en plus transparaissent et ensuite que vous soyez apte à le décrire si vous avez un rendez-vous. Ça répond à la question ? On ne fait pas. Pour diverses raisons, plutôt de valeur interne. D'autres questions? Voilà. Encore une question par rapport à l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement, j'ai bien conscience que mettre en place un data center, c'est un coût extrêmement important. Alors, comment est-ce que vous arrivez à fixer un prix pour qu'une société, en fin de compte, soit hébergée chez vous? Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a différents moyens de fixer un prix. Soit, premièrement, c'est le moyen, on va dire, comptable. C'est-à-dire que je vais prendre tous les coûts que j'ai, je vais les additionner, je vais définir que j'ai besoin d'une marge de X% pour vivre, et ça va être mon prix de vente. Premier cas. Deuxième cas, je vais regarder le marché, je vais voir ce qui se fait, et je vais me dire, est-ce que je veux me positionner au-dessus parce que je suis un peu mieux, ou en dessous parce que je suis un peu moins bien, ou parce que je veux prendre du marché. Pour moi, la bonne solution, c'est un peu des deux. On sait très bien que si on appliquait directement nos coûts à nous, peut-être qu'on ne serait pas dans le marché, parce que nous, on n'a pas des effets de volume que peuvent avoir un Google, ou d'ailleurs, ils vendent leurs produits gratuits. Vous êtes le produit, plutôt. On va analyser vraiment, nous, nos coûts, et puis définir... Est-ce qu'on veut être légèrement en dessous, légèrement au-dessus? Par exemple, quand on a conçu le data center, notre but, c'était d'être légèrement en dessous pour attirer un petit peu et être mieux placé que certains confrères. Mais quand il y a eu les augmentations du tarif de l'électricité l'année dernière, on a dû augmenter nos prix de à peu près 5-10%.
Donc on fait à peu près comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, un data center de notre taille, donc c'est 100 mètres carrés de salle d'hébergement, à peu près 700 mètres carrés au total. Le coût d'investissement pour un data center de cette taille, c'est à peu près 3 millions d'euros. Nous, on a réussi à le faire beaucoup moins parce qu'on a eu des leviers de négociation et d'autres moyens. Mais en général, c'est à peu près ces eaux-là. Et une baie informatique à la location, donc une baie 42U, ça va être à peu près 1 000-1 500 euros selon les data centers. Ça peut monter plus si vous avez de la haute densité, donc beaucoup d'énergie nécessaire dans votre baie. Ça peut être plus si vous avez des options, etc. Alors, moi, j'aimerais tout simplement connaître quelle est la taille du data center. Alors, la taille en mètres carrés, donc... Alors, non, pas forcément en mètres carrés, plutôt en stockage de données pour quelqu'un qui a un peu de mal avec les gigas, les teras, etc. Alors, c'est une question que j'ai souvent et je réponds toujours pareil, c'est que je ne sais pas. En fait, pour une raison très simple, c'est que nous, en fait, notre data center, c'est un data center de colocation, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on loue des baies informatiques à plusieurs entreprises et après, eux, ils font ce qu'ils veulent dans leur baie informatique. Alors, ce qu'ils veulent, non, on a vu, la limite, c'est responsabilité civile, RC, la RC, j'ai perdu le mot, bon, l'assurance. Le deuxième point, c'est que tout leur matériel soit aux normes. Et le troisième point, c'est qu'ils respectent le règlement intérieur ou la charte du data center. Donc, ils sont obligés de faire ça. C'est comme quand vous... En fait, c'est comme si vous viviez en colocation. Vous avez chacun un frigo. Vous donnez des règles globales sur l'endroit où sont mis les frigos, la consommation énergétique et tout. Mais dans le frigo, vous mettez ce que vous voulez. Donc, peut-être que j'ai des centaines et des centaines de gigas ou de terras, mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce que une baie informatique, elle ne sert pas forcément à faire que du stockage, elle peut aussi servir à faire du réseau. Donc là, je ne vais pas avoir de gigaoctets, mais plutôt des prises fibres. Elle peut servir à faire du cluster de calcul. Donc là, je vais plutôt avoir des GPU ou des CPU, selon les cas. Donc ça dépend des usages, finalement, de chacun de mes clients. Pareil, je ne peux pas dire qui est présent dans le data center, parce que moi, je loue à une personne que je connais, une personne morale que je connais, mais lui, ses propres clients, je ne les connais pas et je n'ai pas à les connaître. Donc peut-être que vous-même, certaines de vos données sont stockées dans le data center de Belfort, parce qu'on a des clients qui gèrent des données de citoyens sur le Nord-Franche-Comté, et donc, potentiellement, vous êtes dedans. Mais je ne peux pas le savoir et je ne veux pas le savoir. Ok. Ben, merci beaucoup. Et puis, ben, rendez-vous quand on visitera le data center. Hop. C'est clair, j'espère. Merci beaucoup, donc, Fabien, pour cette présentation qui a suscité beaucoup de questions. S'il y en a encore, ben, on pourra poursuivre la discussion après. Je tiens à remercier également donc, les autres intervenants. On a eu donc, Rémi Chipot, les étudiants de but 3 qui sont intervenus aussi, Léo, Mathéo, Théo et Alexandre. Je remercie bien sûr bah, les personnes qui sont présentes, puisque s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Donc je remercie également les personnes qui ont suivi le live sur Internet, donc, que j'espère nombreuses. On verra après les stats qu'on a. Et puis, je remercie bien sûr tous ceux qui ont été en soutien, on va dire, de cet événement. Je remercie donc le département Réseau Télécom, tous les collègues qui ont contribué. Je remercie l'IUT Nord-Franche-Comté, l'université, et je remercie aussi le service communication qui nous a permis d'avoir tous les moyens nécessaires pour mettre ça en place dans des bonnes conditions. Je vous invite donc maintenant à rejoindre le bâtiment en face pour pouvoir échanger autour d'un verre. Ça va être l'occasion d'un petit moment convivial. Et puis les étudiants, eux, en parallèle, vont commencer tranquillement à s'installer pour le CTF. Et bon, les gens qui seront curieux pourront aussi aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Merci beaucoup à tous.